Bonjour à tous. Voici le petit bain sonore pour bien méditer ensemble avec les bols tibétains. Pour commencer avec les cloches, le bol de cristal et les bracelets. Prenez le temps de bien vous installer sur votre coussin confortablement, avec votre serviette sur les genoux pour bien avoir chaud. Fermez les yeux un petit peu entrouverts pour laisser passer la lumière de la vie. Posez votre langue sur le palais mou, de façon à être bien aligné dans votre canal central périnée fontané. Être en contact avec le ciel et la terre et avec vous-même. C'est bien la définition de la pleine nature. Puis prenez le temps de respirer, de gonfler le ventre et d'expirer en soufflant bien fort pour suroxygéner, améliorer la circulation sanguine et donc la circulation de votre énergie vitale. Tenez votre dos bien droit, votre tête bien droite. Les cheveux étirés vers le ciel. Le corps va bouger comme toute la musique que vous allez recevoir. Le bain sonore est un voyage sonore pour vous guider dans la méditation. Une méditation de pleine présence. Le son est bien rond, comme tous les instruments. Et donc vous allez pouvoir faire des micro-mouvements, des petits mouvements. Par exemple, pour commencer dans le bassin, avoir des mouvements circulaires qui vont se répercuter sur toutes les articulations de votre corps.
écoutez bien le bol tibétain, construit avec 7 métaux. L'aigu, la basse et le médium. Le bain sonore a pour objectif d'accorder vos oreilles. Plus vous allez entendre, plus vous allez aiguiser le son de vos oreilles que vous percevez. Donc, vous allez percevoir beaucoup plus dans l'ensemble de votre corps. Ça va vous apporter beaucoup plus de la terre, l'énergie de la terre. Ça va plus vous ancrer. Vous allez entendre petit à petit l'aigu. Ces sons que vous allez entendre vont rentrer dans chaque cellule de votre corps. Peut-être que ça sera un peu dur d'écouter les aigus, et peut-être que plus tard, vous allez pouvoir accepter ces petits sons. Les sons des bols tibétains sont faits pour remplir une intensité, comme une plénitude. Ce sont ces micro-sons qui vont vous permettre de bien nourrir votre corps, apprendre à écouter votre corps en prenant le temps, votre petit temps calme pour vous.
position de la main, vous pourrez apprendre à jouer des bols tibétains à l'infini, comme vous décrivez des cercles ou des huit dans tout votre corps. Inspirez, soufflez. Vous pouvez méditer à chaque moment de la journée. Il est préférable de méditer en se levant le matin, juste au pied du lit ou sur le matelas de votre lit. Ça vous portera toute la journée. Pensez bien à rajouter votre plus beau sourire intérieur. Commissure de bouche qui monte un peu, qui gonfle les joues, les petites pommettes.
Laissez agir le son. Les bols tibétains sont en train de chanter pour vous, pour que votre corps puisse communiquer avec vous-même. Écoutez ces ténors de liberté totale. Le triangle de cristal. Thank you.
feu, il y a bien besoin de l'air. Le carillon japonais, le koshi de l'air. Avec l'air, les vagues s'emportent. De l'eau, justement, le koshi de l'eau. Ces carillons japonais vous bercent, rentrent au plus profond de vous. Les quatre mers qui rejoignent les cinq continents de la Terre. Maintenant, le carillon du soleil, du feu. Le feu qui vous apaise. Le feu de la tempête. Carillon japonais, maintenant le carillon chinois. Le vent.
tu peux prendre le temps de vous hydrater. Thank you.
Thank you.
Votre corps est détendu, calme. Vous pouvez méditer.